Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très très bien les gars, c'est Rax, j'espère que vous allez bien, ça fait 3 fois que je le dis. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est sur PC maintenant frère, on a glow up encore. Puis on va se retrouver sur une vidéo où je vais vous montrer une maison sur ce jeu. Bon c'est pas une vidéo vraiment incroyable honnêtement là, parce que ce mode je suis sûr que d'autres ils l'ont déjà fait. Mais bon les gars, j'ai rien à foutre, puis je me suis dit que ça peut être bien pour commencer sur PC. Première vidéo comme ça, on fait un petit mode de maison. Donc là déjà vous pouvez voir cette maison-là, elle est stylée, mais c'est pas celle qu'on va visiter. Celle qu'on va visiter, elle se trouve ici. Et puis on va y aller tout de suite, hein. On va conduire jusqu'à la maison. Elle est juste ici les frères, puis on va la visiter, hein. Donc là déjà frère, t'arrives dans la maison, tu vois quoi? Deux petites monstruosités. Donc c'est le jour et la nuit en fait. C'est une Dodge L4 et une Tesla Model S. C'est genre vraiment le jour et la nuit frère, c'est le V8 versus la voiture électrique, mais bon ça on s'en fout. On arrive comme ça frère, petite adder customisée parce que il n'y a pas cette version là sur GTA. Puis là t'arrives frère ici, petit garage là avec mon petit mécanicien qu'on va maltraiter par la suite. Donc là on va se stationner frère, se stationner où? Bon je vais faire marche arrière comme ça, tac. Et voilà. Le stationnement bizarre, mais bon, nique sa mère. Donc là, les gars, en fait, quand t'arrives dans cette maison-là, tu tombes sur quoi, frère? Un garage avec une vue sur Los Santos, ce qui est vraiment incroyable. C'est vraiment un garage incroyable. Et j'aimerais trop que, en fait, Rockstar, ils ajoutent des maisons. C'est quoi ça? Message. On s'en bat les couilles. Je disais, j'aimerais trop que Rockstar, ils ajoutent des maisons comme ça, frère. Je vais vous la montrer, la maison, elle est incroyable. Mais après, je l'ai pas vraiment visité de ouf. Donc on va un peu la visiter. Donc là on a monsieur le mécano. Je sais pas pourquoi frère. Il a mal travaillé aujourd'hui. Puis en plus il a même pas il m'a dit qu'il veut être mieux payé. C'est un malade ou quoi lui? Donc là les gars ici on dirait il y a une Ferrari Cheetah, mais bon on dirait vraiment une Ferrari incroyable. Donc là on visite la maison. Bon, il y a pas grand chose ici. Ça c'est juste le garage. Là tu rentres dans cette pièce frère. Ça je la connais déjà. Petite pièce braquage. Bon les gars, il y a un PNJ qui commence vraiment à casser les couilles, je vais le tuer là. Bref, du coup ça c'est petite pièce de montage de braquage qui est vraiment stylé. Ça c'est le cache de tous les braquages que Franklin a fait. Wesh, il y a même l'or du braquage de la fin du mode histoire là, j'oublie ce qu'on a. Ça c'est quoi frère? Bon j'imagine que c'est un plan pour un braquage, hein. En tout cas, cette pièce-là, ces pièces de braquage. Frère, là, je monte en haut. Voilà, je vais buter le gars. Parce que je sais pas si vous l'entendez, mais il fait que dire yo fucking asshole. Et... vas-y, frère, ça casse les couilles. Tu sais, le gars, il se bagarre avec des PNJ. Mais voilà, il fait chier, frère. Attends. Comment? Non, la vérité, voilà, les gars. Même pas le temps pour ça. Oui, je commande le jeu, il bug. C'est lui, là. Fuck. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu es où mon ami? Ok. Allez, c'est bon. Voilà, disparaît frère. Putain, maintenant je suis con parce que j'ai ouvert un autre mode menu. Donc là, il y a deux modes menu qui tournent en même temps sur GTA. Ça va faire bugger le jeu. Surtout que je suis en train d'enregistrer en même temps. Eh les gars, mon PC, c'est pas une bête de course. Hein. En tout cas, les frères, là, t'arrives ici, c'est l'entrée de la maison. Franchement, frère, une entrée de fou furieux là. Là, carrément, la porte, elle est en vert. Je me pète la gueule par terre, c'est génial. Donc là, la porte, elle est en vert. T'arrives ici, frère, petit billard. Petite commode. Ça on dirait un écran frère. Ouais je pense que c'est ouais, c'est une télévision ça. Là frère ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça c'est la petite cuisine de millionnaire, hein. Mais ça c'est plus une maison de milliardaire là, mais bon. Ici c'est une chambre. Donc j'imagine que cette porte là, elle emmène à la salle pièce principale. Là c'est la chambre ici frère. Petit dressing. C'est quoi c'est... I love Vespucci Beach. C'est quoi ces vêtements de merde? Wesh, les textures par contre frère. Ça c'est la qualité. En tout cas ça c'est ça. Petite bijouterie. Je pense qu'il y a une douche ici. Et je vous jure la porte frère. C'est quoi ces reflets buggés là? En tout cas les gars, ça se peut j'ai mal installé le mode aussi. Ça c'est la salle de bain. Après la salle de bain je trouve... elle est bien, mais vas-y frère, c'est quoi ces chiottes? T'es là, t'es assis frère. T'as tout cet espace devant toi, c'est trop bizarre.
Et puis, genre, c'est quoi ces chiottes de pauvres là? Ces toilettes de pauvres. Bref, là, t'arrives ici, frère, prends ta douche tranquille. Oh, les gars, j'ai. Ouais, je crois qu'il y a ça déjà. Bref, les gars, ici, il faut juste pas faire tomber le savon parce que sinon, ça va mal finir. Vous connaissez déjà l'histoire. Donc là, on a visité ça. Ça, c'est le balcon. Ok, pourquoi pas. Normalement, il est censé avoir de l'eau, les frères. Je pense que j'ai mal chargé l'eau. Donc on va aller faire tout de suite le chargement de l'eau. Ah non. Ok, il est censé avoir de l'eau, les gars, mais le mode a bugué. Donc là, il n'y a pas d'eau. C'est génial. Normalement, il est censé avoir de l'eau ici, les gars, mais je sais pas, frère. Sûrement le mode a bugué là. Donc là, ici, il y a le pilote d'hélicoptère que je vais tuer. Ces deux-là, frère, ils me servent à rien. Je les ai engagés pour la cuisine, ils font que traîner à la piscine toute la journée. Ok, donc ensuite les gars, on arrive ici. Texture buggée, ok, je pense qu'il y a vraiment un bug avec le mode là. Normalement ici, ils sont censés avoir des PNJ, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Là, il y a le salon, frère, de fou furieux, frère. C'est du luxe, luxe, luxueux. Waouh, attends, ça emmène où? Ça, j'ai jamais pris cet escalier là. Ok, donc ça emmène dans une autre piscine qui a pas d'eau. C'est pas assez. Franchement, c'est génial. Hein. Ensuite ici les gars, ça c'est petit home cinéma. Home cinéma frère, pourquoi pas? Quand t'es millionnaire, pourquoi pas frère? Fais-toi plaisir mon ref. Là tu montes ici. C'est l'héliport. Donc ouais la maison elle est inclue avec un hélicoptère. Puis c'est ça ici. Qu'est-ce que je fous frère? Je sais même pas si je suis censé faire ça. Donc là on a visité tout le premier étage, j'attends même pas. Ça c'est comment on appelle ça? Frère, table de pique-nique, voilà. J'ai aucune idée, frère. Table de pique-nique. Bon, là, on va re-rentrer dans la maison. Et les gars, attends, je viens de remarquer ce couloir. Ça, c'est. Frère, couloir en verre. Ça, c'est incroyable. Donc, ouais, ça, on a visité. Maintenant, on va visiter la pièce du haut. En fait, cette maison, je pense pas qu'elle a de sous-sol. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a, les frères? Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Attends, la vidéo vient vraiment de se terminer ou je rêve? Ok, donc ici, les gars, on a madame la. Ben, je sais pas, femme de ménage. Je pense qu'elle est ferme ta gueule. Elle bosse pas assez fort. Donc là, ici, frère, ça c'est pour moi. C'est avec cet ordinateur-là que je me suis payé cette maison de riche. C'est en vendant des formations sur Telegram à des mineurs de 16 ans, leur disant qu'ils pouvaient être millionnaires. Ben, après, ça a marché, quoi, mais voilà, quoi, je suis riche. Eux ils sont pauvres, je suis heureux. Ça c'est collection de bouteilles, tu vois, parce qu'il faut toujours que je boive pour oublier tout le mal que j'ai fait à ces pauvres imbéciles. Ça c'est un autre ordinateur, ça c'est pour mon associé, tu sais, parce qu'on est deux à arnaquer des gens. Ça c'est tout le plan, je vais pas le montrer. Je pense que je vais le flouter même, parce que ouais, faut pas que vous copiez mon plan. Donc là ça c'est un télescope pour mais pour voir. Puis en plus il est blindé, hein. Résistant aux balles. Même résistant aux roquettes. Par contre, tu vois, genre même le mur, il est moins résistant que ce télescope, quoi. Ok, donc les gars, ici on a ensuite quoi? Table de pique-nique avec des bougies parce que j'ai dû faire un peu de sorcellerie pour arriver là où j'en suis. Mais écoutez, les gars, c'est le business, hein. Ça, c'est petit barbecue. C'est ça, hein, quoi. C'est un barbecue, frère. Avec bouteille de propane invincible, tu vois, parce que sinon. Je peux tout exploser sans faire exprès. Et puis c'est ça les frères, on a fait le tour de la maison. Ça c'est la cuisine. Où il n'y a pas de cuisinière parce qu'ils sont mortes du coup. C'est un peu chiant. Sinon, est-ce qu'il y a un truc à voir en plus? Je pense qu'il y a une explosion. Donc ça c'est le garage. Puis c'est tout en fait. Cette maison elle pue la merde. Je me suicide. Donc là les gars. On va conduire un peu, je vais un peu discuter des projets de la chaîne. Donc, premièrement, je ne signe aucun contrat avec vous. Ça veut dire que je reprends les vidéos, mais je m'en fous. Genre, ça se trouve, après cette vidéo, il y en a une autre qui va sortir dans 5 mois. Comme ça se trouve, il y en a une autre qui va sortir demain. Donc déjà, ça c'est de 1, je vous fais aucune promesse. De 2, je vais faire des vidéos maintenant que sur PC. Ça veut dire que je vais faire du GTA Online si je... Je peux trouver un moyen de jouer à GTA Online en désinstallant les modes facilement. Parce que si je dois genre tout désinstaller, chaque mode un par un, ça va être chiant, tu vois. Genre, je préfère mieux juste trouver une façon de désactiver, comme ça je peux jouer au mode en ligne. Je vais faire sûrement du troll mode menu et tout sur Online.
Et si un jour je me fais ban du online, ben je vais me casser la tête, frère. Je vais pas racheter le jeu une autre fois. Et je vais tout simplement faire du 5M. Et puis troll directement là-bas, ça va être plus simple. Puis sinon, les gars, à part ça, ce que je pourrais faire d'autre, frère, c'est des vidéos PC comme ça, présentation de véhicules ou présentation de mode drôle. Tu sais, des trucs comme ça, frère. Bien l'époque 2015, un peu, tu vois. Puis c'est ça, les frères. Puis à part ça, je vais continuer les vidéos. Puis sûrement après GTA 6 va sortir, je vais sûrement devoir améliorer mon ordinateur. Tu sais, pour avoir plus de puissance. Puis après, sur GTA 6, les frères, ça va être incroyable aussi, là. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon retour, entre guillemets, vous a fait plaisir. Puis c'est ça, j'espère qu'il y aura des gens qui vont voir cette vidéo aussi. Prenez soin de vous, les frères. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Parce que, bon, cette vidéo, elle était bizarre, mais t'inquiète, frère, c'est le but, en fait. C'est le but de la chaîne. Donc ça, les gars, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis ciao. Allahu Akbar!